Vous préparez, voilà. Bon, quant à la culotte, on va pas trop descendre. Belmonde était avec Amédée Kouakou. On comprend un peu le fanatisme des deux. Selon l'information de Soussu, d'un officiel aussi, qui m'a envoyé ça. Et je vous donne, voilà. Ok, Belmonde, Dogo Miss Belmonde, députée de Guibéroua, qui a menacé ses propres parents de Guibéroua parce qu'elle est au travail pour Alassane Ouattara, était d'abord la maîtresse de Amédée Kouakou, du ministre Amédée Kouakou, qui est le bon petit ou qui était le bon petit de Amadou Gon. Amédée Kouakou était le bon petit. Sachez qu'Amédée Kouakou est docteur en génie civil de l'université de Toulouse, pour ceux qui l'ignorent. Amadou Gon Koulibaly aussi était un ingénieur des travaux publics. Voilà, voilà, ingénieur des travaux publics. Il était aux grands travaux, Amédée Kouakou. A été à l'NSTP, je suppose qu'il a été aussi aux grands travaux, mais il était au laboratoire de bâtiments et travaux publics. Donc, ce sont des gens du même secteur d'activité qui se connaissent très bien. Donc, Amédée Kouakou était le bon petit de Amadou Gon Koulibaly. Et puis, il sortait avec Dogo Miss Belmonde. Ça, c'est un cadre du RDL qui m'envoie ça. Ouais, ouais, bonsoir, bonsoir, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est deux qui sortaient ensemble, qui étaient au gouvernement. Et un jour, voilà, c'est le monsieur qui le dit, c'est lors d'un déjeuner avec Amadou Gon, où il a invité Amédée Kouakou, voilà, et puis aussi Dogo Belmonde, pour qu'elle explique son problème d'infrastructure, que Amédée ayant menti, qu'il ne couchait pas avec elle. Donc Amédée dit, ah, mais vous êtes ensemble, voilà, est-ce que vous êtes ensemble? Il dit, non, moi je ne la connais pas, hein, on n'est pas, il n'y a rien entre nous. Voilà, donc c'est comme ça, Amédée qui sort avec Belmonde, il réunit la femme là devant Amadou Gon, voilà, lui c'est son grand. C'est comme Ouattara, il a pris la femme là, qu'elle a là, Dominique, avec son propre oncle. Il a arraché ça à Vamoussa Bamba, qui était son oncle. Donc Amadou Gon demande à Amédée, ah mais vous êtes ensemble, mais c'est bon, vous formez beaucoup. Il dit, non, je ne sais rien, je ne la connais pas, selon ce que le monsieur il m'explique. Donc c'est comme ça que Amadou Gon, il va récupérer Belmonde Dogo, qui est aujourd'hui député de Guibéroua, qui menace ses propres parents. On a vu l'image là, le jeune de Guibéroua qui a été trimballé, qui a été humilié. Qu'est-ce qu'elle a dit, madame le député? Tous les cas de Guibéroua, personne n'a encore parlé, ceux de Concorde, avec, comment il s'appelle, l'ancien conseiller diplomatique du président, voilà, comment, ambassadeur Wanou et Jeanne, tous ces gens, personne ne s'est encore prononcé sur la vidéo. Donc, Amadou Gon, pour récupérer Belmonde Dogo, voilà, même tous les avaient parlé, hein, mais il n'avait pas trop d'infos. Mais là, j'ai des infos de dedans, c'est ça que je vous donne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Amadou Gon veut prendre Belmonde Dogo, il voit qu'elle est belle, c'est une jeune fille née en 1974, elle est encore jeune, la quarantaine, très fraîche, elle n'est pas mariée, n'a pas de truc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il organise un voyage aux États-Unis de deux femmes pour aller à la Banque mondiale pour discuter d'un projet. Donc, c'est comme ça qu'il met Belmonde dans la délégation et lui aussi se rend à Washington avec elle. Donc, il va coucher avec elle là-bas à Washington avec Belmonde Dogo. Donc, Amadou Gon la récupère, sans compter qu'il avait déjà trois femmes, paix à son âme, il avait trois femmes. Il prend encore Belmonde Dogo comme sa maîtresse. C'est une information qui est confirmée. On a pensé que c'était des ragots, mais non, c'est un cas du RDR qui m'envoie ça, parce qu'il est dedans, il sait ce qui se passe, mais ils sont aussi tous contre le troisième mandat, mais ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Donc c'est comme ça qu'Amadou Gon, il récupère Belmonde Dogo, et c'est à Washington qu'ils passent leur première nuit ensemble. Lorsqu'ils reviennent à Abidjan, elle est vraiment très proche des activités du RDR, RHDP, donc elle a organisé des manifestations à la Guibéroua dans sa région et tout ça, très proche, tout le monde le sait, c'était la maîtresse, on dit qu'ils faisaient leur truc à la primature, c'est vrai, c'est pas faux, je peux vous confirmer l'information parce que je l'ai devant moi ici, que je peux vous lire ça. Donc Amadou Gon étant décédé, cette dame-là est dans le même groupe que les, comment elle s'appelle, en sortant avec Amadou Gon, Belmonde Dogo est rentrée dans le même groupe que les Kandia Camara, les, comment il s'appelle l'autre là, Adama Bitogo, qui en réalité, c'est eux qui sont les hommes d'Amadou Gon, qui ne veulent pas, par exemple, que le RDL, ça passe dans la main d'autres groupes, des Ivoiriens. Ça, c'est, elle est rentrée dans le groupe de CDAO. Les parents bêtés, votre fille
à cause d'aller tromper, chercher mari des gens pour devenir quelqu'un, aujourd'hui elle vous a vendu. C'est pour ça qu'on vous machette, c'est pour ça qu'on vous tue là-bas, on vous humilie à Guibéroua. Belmonde est avec les gens de CDAO là, les Bitogo avec Kandia Camara parce qu'elle était maîtresse d'Amadou Gon. Je vous dis comment ça s'est passé. C'est Amédée qui sortait avec elle. Amédée est dans le groupe aussi. Lui aussi, il est très fanatique à Divo. C'est le petit frère d'Amédée, Benjamin Kwaku, qui s'appelle Ben. Ben Kwaku, voilà. C'est lui qui hébergeait les miliciens. C'est lui qui payait les miliciens à Divo. Quant à Belmonde, elle menace. Je ne peux pas dire que c'est elle qui a financé ces jeunes-là. Je ne peux pas l'affirmer pour le moment, mais je peux vous affirmer. Elle sortait avec Amadou Gon Koulibaly. Partagez, ça n'a pas arrivé. Ils n'ont pas venu démentir parce que c'est entre eux-mêmes que l'information est sortie pour venir dans ma main. Moi, je ne fabrique rien, je ne dis que ce qu'on m'a dit. Donc, elle était avec Amédée, ils sont allés à la primature, elle devait parler de son problème d'infrastructure. Donc, Amadou Gon, peut-être, il est malin, il a voulu, c'est un coup, il a monté, il invite Amédée Kwaku, il invite Belmonde. Il dit, bon, tu es ministre de l'autonomisation des femmes, là. Vous avez quel problème d'infrastructure, qu'est-ce que tu peux faire pour les femmes qui vendent les vivriers, qui vendent ça? Amédée est là, il faut parler comme ça, le ministre des infrastructures, de l'équipement là, il était encore ministre des infrastructures, lui, il va organiser ça, et puis on va vous donner les infrastructures que vous avez besoin pour garder vos trucs, tout ça. Il les a fait, les deux sont assis sur son bureau, comme je suis sur mon bureau ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et il parle pour la réunion, il voit que les deux se regardent un peu truc là, mais peut-être il avait déjà l'information parce que vous devez savoir que Amadou Gon, il gérait les services de renseignement aussi parce que son petit frère, ou du moins son neveu Karim, il est au service de renseignement à la présidente. Donc ils savent tout ce qui se passe dans le pays, en tout cas sur les gens. Et donc peut-être qu'il vous guettait la fille, donc il voulait voir si vraiment il n'y a rien. Donc après, il demande à Médé Kwaku, bon, c'est comment, mais vous formez un beau couple, hein? Est-ce que vous êtes ensemble? Il dit non, je ne la connais pas, hein, que ce n'est pas ma femme, parce qu'il est marié, en fait, il trompait sa femme avec Belmonde, Miss Belmonde Dogo. Donc c'est comme ça que Amadou Gon, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème, il n'a rien dit. Donc il voit, comme l'autre lui a dit qu'ils ne sont pas ensemble, il y avait une réunion des femmes à Washington pour les trucs de, je sais pas, des femmes pour avoir les financements, tout ça. Comme elle est ministre de l'autonomisation des femmes, le secrétaire d'État, là, il l'a mis dans la délégation. Et lui aussi, il devait voyager à Washington, peut-être pour des réunions. Donc, c'est comme ça que lui, il allait récupérer Belmonde Dogo, là, aux États-Unis. Ça, c'est le cas du RDR qui travaille avec lui, là, qui m'a envoyé ça. Il dit, ouais, hier, j'avais parlé un peu. Il dit, non, petit, tu as bien parlé, mais tu n'as pas tout dit. Voilà, ça, c'est ça, ça. Il faut dire bien. Voilà, donc c'est ça qu'il envoie les informations, je vous donne. Donc Amadou Gon, il va taper ça, il va coucher avec Belmonde Dogo là aux États-Unis. Et quand ils viennent à Abidjan, ils sont ensemble maintenant, c'est sa maîtresse qui fait la quatrième. Donc il avait déjà trois femmes, il ajoute ça, c'est la quatrième. Voici un peu comment les choses se sont passées. Donc Belmonde est rentré dans le camp d'Amadou Gon avec l'autre là, de Tumodi, elle est sort avec le petit frère d'Alassane. Donc, il attendait que Amadou Gon devienne président, elle est maîtresse du président, elle est ministre, secrétaire d'État là, elle va monter en grade, devenir ministre plein. Et puis, les gens de Guibéroua, tout ça là, c'est la fille qui a réussi ici, tout le monde allait, sa genou en bas d'elle. Malheureusement, son type est mort, mais ils ont leur groupe. Le groupe n'est pas mort, c'est Amadou Gon qui est mort, mais le groupe est vivant. Le groupe d'Amadou Gon, c'est d'Adama Bitogo, c'est les Kandia Camara, c'est les autres, et ils soutiennent. Eux, ils ne veulent pas Ahmed Bakayoko là qui va venir pour prendre la place au RDR. Voici ce qui se passe. Donc, Belmonde, elle menace ses parents de Guibéroua, et c'est pourquoi elle les menace. Parce qu'elle est dans le groupe. Amédée Kwaku qui menace les gens de Divo, il sait pourquoi il menace. Parce que elle est dans le, lui aussi, il est dans le groupe. C'est son petit frère Benjamin Kwaku. Allez-y, vous allez, truc. Bon, allez, la photo de Belmonde, tu tapes sur Internet, ça va sortir. Donc, Amédée, il devait même être content qu'Amadou Gon est mort parce que c'est lui qui lui a arraché sa copine. Voilà, voici ce qui se passe. Il a arraché la copine de l'autre et lui, son cœur, il ne tient pas, il est mort. Voilà tous les gens qui ont participé à la mort du pauvre monsieur cardiaque. Voilà. Non, il avait trois femmes. Il y avait une autre aussi qui devait, il n'était pas officiel, mais il devait la voir. Elle était là pendant les cérémonies. Ça fait trois femmes. Voilà, il y a Aïssatou, il y a une deuxième et il y a une troisième. Et Belmonde, c'est la maîtresse, quatrième.
C'est pour ça qu'elle est chaude, elle va aller pour menacer ses propres parents. Pour menacer ses parents. Si ce que je dis, je mens, elle peut sortir pour venir porter plainte. Voilà, parce que celui qui m'a dit là, il travaille avec vous là-bas, il est avec vous, il mange avec vous, il fait tout avec vous. Donc c'est ça, la Côte d'Ivoire va mal, mobilisons-nous pour que demain, on aille accompagner la candidature. Ils peuvent se faire entre eux là-bas. Maintenant que Gwo est mort là, on dit, elle n'a pas mari, non, elle va chercher un autre copain. Mais il faut laisser tes parents tranquilles. Parce qu'ils ont vendu, ils ont donné des terres aux gens, c'est pas parce que, c'est pas pour qu'ils viennent pour mourir. Voici un peu ce qui se passe dans leur gouvernement. Un gouvernement où chacun sort avec l'autre, ils se trompent entre eux là-bas, ils trompent, ils font, chacun est là, ils cherchent et l'autre là, il y a la femme de l'autre. Donc voici un peu la situation. Si vous les voyez qu'ils sont, ils sont, comment on appelle, mais mobilisés, ils sont prêts à ne rien perdre, il y a des relations, relations de, voilà, même pas d'amour, relations de copinage, ils sortent entre eux là-bas. Tous les 50 et quelques ministres, il y a beaucoup qui sortent entre l'un et l'autre. Quand on parle, il y a des gens qui écoutent, ils disent, petit, non, tu n'as pas tous les sons, je vais t'envoyer encore plus. Tiens, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est à Washington qu'il est sorti, il a couché avec elle la première fois. Est-ce qu'elle peut démentir? Elle a le numéro WhatsApp est là, qu'elle vient nous dire si elle peut démentir. Voilà, Amadou Gon est sorti avec Belmont Dogo à Washington. C'est là-bas, je ne vais pas dire la DVG, mais il est sorti avec elle là-bas. Il a arraché ça à Médé. Amédé, il est fâché, il ruminait, mais il est resté tranquille. Mais c'est eux qui menacent tout le monde. Voici la situation. Merci, cher frère, voilà.